Bonjour, mon nom est Bernard Lefebvre et bienvenue à cette minute technique de SolidExpert. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment importer les corps multiples ou provenant d'un mécano soudé, par exemple, dans SOLIDWORKS Composer 2018. Alors, normalement, on va faire Fichier, Ouvrir et aller chercher notre pièce. Par exemple, celle-ci. Puis, on va aller choisir ici nos configurations par défaut au SOLIDWORKS et faire ouvrir. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que notre pièce SOLIDWORKS avec corps multiples va être présentée comme étant tout d'un pain. Donc, si on regarde, OK, Composer l'importe vraiment là, comme une pièce entière. Comment pallier à ça? Alors, simplement dans Fichier, Ouvrir, venir ici, chercher le profil personnalisé, OK, et on va aller chercher ici notre pièce à nouveau et décocher, fusionner le fichier en un acteur par pièce ou par part dans ce cas-ci. Donc, on fait ouvrir et vous allez voir, il va importer la structure de tous les corps. Donc, on voit ici nommés tels qu'ils le sont là, dans SOLIDWORKS. Fait que si je viens, par exemple, mettre technique à plat, ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, je peux, par exemple, venir faire un éclaté très rapidement. OK, pour avoir vraiment là, un build de matériel, par exemple, très complet. Que se passe-t-il maintenant lorsque j'ai un assemblage? L'assemblage, c'est particulier parce que là, je peux avoir effectivement des corps et des pièces et des sous-assemblages, etc. Je vous dirais que l'idéal, c'est vraiment de passer à ce moment-là par SOLIDWORKS directement. Je vais ouvrir l'assemblage. Et de s'assurer d'avoir nos outils dans les compléments, de bien avoir le complément SOLIDWORKS Composer d'activer, ce qui nous permet à ce moment-là d'avoir un menu supplémentaire au niveau de Composer, ici. Donc, je peux à ce moment-là sauver directement de SOLIDWORKS, ce qui est très pratique. Et j'ai une option supplémentaire qui va ici s'intituler « Importer en tant que corps ». Donc, ça ici, ça va être important à souligner et de ne pas fusionner aussi le fichier à un acteur comme pièce, comme on a vu tout à l'heure. Fait que ça va nous permettre vraiment d'importer directement dans Composer de façon beaucoup plus performante. Donc, je vais ouvrir ici le résultat de ma sauvegarde. Et on voit, OK, j'ai vraiment l'import parfait avec même les sous-corps dans chacune des pièces que je peux facilement, encore une fois, venir faire un éclaté directement. Alors, j'espère que ça vous sera utile et à la prochaine minute technique.